magnifique soleil sous le ciel de Chalon. Et c'est avec plaisir qu'on rencontre aujourd'hui Jérôme Trochot, gérant, directeur, responsable du Lissimo. Alors, bonjour Renaud, président du Lissimo, effectivement. Ouais. Donc depuis le début de l'année, on est installé, donc 4 places Notre-Dame, dans cette belle ville de Chalon-Champagne. Activité principale, le Lissimo, même si ça parle tout de suite aux gens qui nous regardent, on est sur tout ce qui va être vente, location, estimation. Alors, l'activité principale de l'agence, c'est la transaction, la location et la gestion, activité traditionnelle d'une agence immobilière. Concrètement, si on parle aujourd'hui du Lissimo, qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Alors, la spécificité du Lissimo, c'est une agence indépendante locale. On est chalonnais et donc on a une connaissance en fait de la ville, un petit peu plus instinctive. Donc on a vu l'évolution en fait des quartiers et on a peut-être cette sensibilité-là qui fait qu'on va pouvoir apprécier les trajectoires des prix à l'immobilier en fonction des quartiers et donc développer aussi avec cette indépendance une certaine forme de proximité dans nos lignes directrices et sur notre politique commerciale. Alors, point important, là on est sur la rentrée, septembre, la foire qui bat son plein. Est-ce que, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une opération particulière que vous allez mettre en place ? Oui, tout à fait Renaud. Donc du 15 septembre au 15 novembre, pour chaque bien confié au Lissimo, nous remboursons donc aux clients vendeurs l'ensemble du dossier de diagnostic qui sont nécessaires pour la commercialisation du bien. Alors, en quelques mots, ces éléments de diagnostic, ce sont des choses obligatoires, imposées, qu'il faut absolument faire et qui ont un coût aujourd'hui. Alors tout à fait, donc depuis 2021 notamment, nous avons eu donc une nouvelle loi climat et résilience qui a un petit peu chamboulé le mode de détermination du DPE notamment, qui est obligatoire pour commercialiser un bien, et derrière tout l'ensemble du dossier de diagnostic qui va considérer des choses comme l'électricité, le gaz, la surface CARES pour les biens en copropriété et qui sont aussi une protection pour l'acquéreur pour qu'il ait le maximum d'informations sur le bien qu'il est en train d'acheter ou de se positionner. Merci pour toutes ces infos, moi je trouve ça hyper intéressant. Vous l'avez compris, si vous avez un projet d'achat, vente, location, que sais-je, au niveau de l'immobilier, vous pouvez venir voir ici le Lissimo, 4 places Notre-Dame en Vaux, c'est juste derrière la collégiale. Et puis j'imagine que tu les recevras le mieux du monde. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on va bénéficier de la requalification de l'îlot avec des travaux qui sont en cours. C'est magnifique. Avec une luminosité extraordinaire donc, sur la place. Ouais. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on accueille tous les clients à notre agence pour venir nous exposer leurs projets immobiliers avec grand plaisir. À bientôt Jérôme. À bientôt Renaud et merci beaucoup. Je t'en prie.